Bonjour à tous, salut vous deux, je suis avec Salut Tim. BJG, RGX, Baron Aniki, comme vous voulez. Donc on se retrouve pour jouer à Gran Turismo et on va jouer ensemble. Non, vous allez jouer tous les deux l'un contre l'autre, sauf Gran Turismo. Hein. Donc bon, vous êtes en train d'avancer un petit peu. Bon, je sais déjà qu'il y en a un qui est un peu plus en avance que l'autre, hein, on l'a vu tout à l'heure, mais. Donc le joueur 1, ça va être RGX. Et le joueur 2, ça va être Aniki. Tu crois que je t'appelle Baron ou Aniki du coup? Baron, on va niquer quand tu veux. Ok, ça marche. Bon, au pire, j'étais un joueur 1, joueur 2. Voilà, ça sera mieux. Donc, je vous laisse pour commencer vous mettre en mode arcade. D'accord, Parce que de mode toute façon, on va arcade. rester dans ce mode hein, pour la première. Pour l'épisode pilote, on va dire. Hein. Donc, pour la première, c'est assez simple. Vous allez faire un time trial. Vous allez faire, pardon, pas un time trial. Vous allez faire un single race, mais en deux joueurs. Donc, prenez mode deux joueurs. D'accord. Vous allez. Alors, d'abord, ça va être toi, BJG, et après, ça sera Niki pour la deuxième partie. Tu vas me dire un chiffre entre 1 et 6, s'il te plaît. Entre 1 et 6, alors je vais te choisir le 5. Ok, donc tu vas prendre encore un chiffre entre 1 et 6. Le 2. Ok, donc tu vas aller chez Honda, s'il te plaît. Honda. Tu vas aller à droite. Droite. Voilà, tu vas prendre la Prélude, tu choisis la couleur que tu veux, et pareil de ton côté, Aniki. Voilà, comme ça, pas de jaloux, hein, ça s'est fait random sur le Y a choix pas de beaucoup de la choix de voiture. couleurs, hein. Ouais. Donc là, on a une classe Regarde-le. B, donc moyenne vitesse. Au niveau du circuit, c'est pareil, entre 1 et 6. Non, pardon. Attends. 1 et 8, pardon. 1 et 8. Bah 8. Ok. Tu peux aller à l'opposé, à gauche. À gauche. Le Main Stage Route 5. Ok. Donc, que le meilleur gars entre vous deux. Allez. Let's go. Bonne course, Niki. Bon, encore BG. Attends-moi un petit peu. Ouais, je t'attendrai, t'inquiète pas. Voilà, vous aurez compris qui a un peu plus d'avance sur l'autre. Mais bon, on est là pour s'amuser, il n'y a pas de. Y a rien à gagner, hein. Alors les deux jouent en automatique puisque le manuel a l'air de bugger sur le P1 en tout cas, donc voilà. Deux C'est pas voulu, désolé. sont en auto. Hein, de toute façon, on pourra pas nous s'éviter. Hein. Ah. Toute façon, vous faites comme vous voulez. Hein. Vous voulez jouer sale, vous jouez sale, il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, typiquement ça, c'est parfait. C'est quand même rigolo la collision, quand même. Ça rebondit pas mal. Donc je récapitule, RGX en haut, Aniki en bas. Je sais pas si c'est bien vendu la Prélude en vrai en France. Oh. Alors l'aspiration fonctionne normalement, si je dis pas de bêtises. Mais ouais, ça marche un petit peu. Il y a un léger boost aussi pour le joueur 2, activé par défaut dans le jeu, donc celui qui est en retard normalement a un poil plus de vitesse pour pouvoir le recoller. Non, non, alors pour l'instant, ça va être assez serré. Une seconde d'écart entre les deux. Léger qui glisse, attention! Qui a failli reprendre mais qui tape le mur. Ah, Eh, 5 c'est dixièmes, vrai. c'était pas loin. C'était pas loin, c'était pas loin. On se rôde, on se rôde. Alors, bon, vous voulez pouvoir le replay comme vous voulez. Non. Donc, le premier joueur à gagner, qu'est-ce que ça pensait de la prélude en termes de maniement? La prélude au niveau maniement, bah, elle est pas mal, elle est sur les rails, mais par contre, je la trouve un petit peu trop légère niveau direction, un peu trop réactif. Ok, et Nki? Je trouve c'est
en tout cas de par rapport aux courses qu'on avait fait là précédemment en test, elle est beaucoup mieux. Je l'apprécie beaucoup. Beaucoup plus stable. Ok. Ouais, beaucoup plus stable et moins nerveuse. Ok. Tu peux pas avancer du coup. Hein. Ok. Du coup, on va sortir. Je la trouve légère même. Après, par rapport au bateau qu'on a utilisé là, l'Aston Martin, ouais. C'est beaucoup, beaucoup plus léger. Vous allez toujours en mode de joueur pour l'instant, il y aura que du 1 contre 1 pour le moment. Donc, du coup, là maintenant c'est à Nicky de choisir un chiffre entre 1 et 6. 1. Ok, donc vous allez descendre tout en bas. Vous allez chez Chevrolet. Et un chiffre entre 1 et 3, s'il te plaît, Aniki. 3. Ok, mais bon, restez sur le Camaro. Oh. On va rigoler. Je crois que ils l'ont eu en essai, hein. Donc du coup, ils la connaissent déjà. Alors, en mode drift, vas-y. Alors, si tu veux du challenge, tu te mets en mode drift, et pas de soucis. Hein. Ok, mode drift. Pareil au niveau du... Alors là, ça va être un peu plus simple. Entre 1 et 3, toujours un Niki. Ok, c'est le deuxième circuit. Trail Mountain. Celui-là, Trail Mountain. Du coup, avec la Chevrolet Camaro qui est pas évidente, même si elle est pas forcément la plus rapide. Ah, on va se marrer. Vous n'étiez pas tombé sur ce circuit tout à l'heure d'ailleurs avec la Camaro ? Si, si. Ça s'est retombé exactement sur le même schéma. Ouais, c'est ça. Allez, bon départ pour les deux, de toute façon, pas de botte de vitesse. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a deux choix de caméras différentes entre les deux. Hop. Je suis pas très fan de cette partie-là. Là. Oui, le virage serré là, il est chaud. Ouais. Allez, ça part bien. Ça le voit un peu en ligne droite. Attention, il y a une bosse hein, dans la version arcade, je vous rappelle. Ah, elle a disparu en mode de joueur, bah non, j'ai rien dit. Ça, c'est intéressant, le jeu l'a lissé en fait. C'est proche à l'intérieur, Aniki. Oui. Et ça repasse. Bon, moi je drift, hein, les gars. Moi je m'amuse. Alors attention à la chicane, hein, qui peut se prendre à fond suivant les. Pas de prise de risque pour Nicky. Pareil pour deux tactiques différentes, mais ça n'a pas marché. 3e toujours. Alors c'est vrai qu'on a fait deux tours de course, mais on peut régler pour qu'il y ait plus de tours. En on peut être plus 3 à 5, il me semble, en mode arcade. Toujours le léger matelas d'avance, mais qui est réduit maintenant. Ah, ça s'est touché à l'intérieur. Et le rebond qui permet à Nicky de prendre la tête. Et ouais, mais là. Ils sont côte à côte dans la ligne droite. C'est magnifique. Oula. Eh ouais, c'est... Oulala, pardon. Oh le carnage. La petite glissade là pour le joueur 1 qui perd du temps, une seconde d'avance maintenant pour Aniki. Ah, il a bien négocié, du coup la perte de vitesse lui permet de gagner la victoire.
moi je finis pas Fanny. Ah, tu as mérité la victoire, tu l'as mérité. À l'intérieur ça fait pas tellement de vitesse que c'est pas forcément le bon plan, ouais. Cette remontée. Et bah du coup, 1-1 entre les deux, bravo. Je vous laisse revenir dans les menus deux joueurs. Le jeu est plutôt stable, même en deux joueurs, je trouve, au niveau de la framerate, c'est quand même pas mal. Et du ralentissement au tout début, mais après ça passe bien. Pas trop de lag. Allez, par contre, j'avais oublié que ça faisait mal aux mains de jouer avec la touche X. Hein. Ah, tu joues avec la. Ah oui, la pour accélérer. Eh ouais. Ouais, c'est à l'ancienne. Ouais, c'est ça. Pareil, toujours pire. On devrait faire que ça. De toute façon, le contre la montre, il aurait fallu qu'on modifie les manettes et qu'on joue sur la même manette. C'est pour ça qu'on pourra pas le faire ce soir. Enfin, cet après-midi pour vous. C'est à toi, du coup, RGX, de choisir un chiffre entre 1 et 6, s'il te plaît. Ben, 1. Nissan. Ok. Un chiffre entre 1 et 3, s'il te plaît. 4. 1 et 3. Ah, 1 et 3. Bah, 0 alors. Ça marche pas non plus. Allez, 3. 3, classé. Classé la Primera. Ok. Ah. En drift, s'il vous plaît. En drift, d'accord. Attends, reviens en arrière, s'il te plaît, je crois que tu n'es pas en drift. Un drift pour tous les deux? Oui, pour tous les deux. C'est une classe C, donc honnêtement, ça va pas changer grand chose. La boîte en auto. Et. Pareil, tu vas choisir un chiffre, s'il te plaît, entre 1 et 4. 5. 3. Deuxième circuit encore. Oh, ok. Encore. Mountain, ouais. Elle fait des choix qui sont. Pas forcément les bons, j'en ai pas sûr depuis tout à l'heure. Il y aura un mode où je choisirai pour vous, par contre. Ok. Ok. Bonne course. Bon, l'avantage, si vous connaissez le circuit. On sent quand même que vous respectez un minimum au niveau des trajectoires, pas trop de poussettes. On essaye, mais c'est compliqué. Oh, oh, oh. Ouais, c'est vrai que c'est galère. Oh. Eh, hey, belle prise de virage là pour Aniki qui a repris un petit peu de temps. On a 8 secondes, on va peut-être passer à moins de la seconde là. 5 dixièmes. C'est quelque chose qui a été bien fait sur Gran Turismo, c'est le poids des voitures. Oui, c'est vrai. La répartition du masse. Voilà, pour un jeu de cette époque-là, là, de fin des années 90, c'est hyper impressionnant. Alors vous avez vite remarqué que la Primera a tendance à plutôt bien tourner sans forcément trop freiner. Ça a bien profité du coup au P2 qui est remonté. RGX qui est toujours en tête pour le moment. Attention à la chicane. Ça passe très bien pour les deux. Petite baisse de frame avec la de la console, j'ai l'impression. RGX qui maintient le lead pour le moment. Bon, je m'appelle pas Kate Bogart, mais j'essaie de commenter un minimum pendant que les deux sont concentrés. Ouh, ça a failli taper le mur. Oh, aïe, 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 la perte de vitesse. Ouais, je voulais prendre le virage serré. Ça va laisser une belle marge là, pour un GX. En seconde, 4. Alors, tu peux toujours remonter avec le léger boost, mais. Ce qui est assez drôle, c'est de voir que la voiture elle galère en montée, elle perd même de la vitesse. Oh, 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 oh.
la prise de virage pour les deux. Une seconde 9 maintenant. Tout pour le tour à l'intérieur. Elle prend plutôt bien Niki le dernier virage. La dernière droite, je pense que ça va être plié. Et victoire pour RGX qui va remonter à deuxième manche et qui se paie même le luxe de faire un 360. Les deux. Jouer. Ah, c'était pas mal, ça s'est joué sur, GG, hein. Sur un mur. Ouais, parce que je voulais reprendre, recoller le retard que j'ai eu en serrant le virage, mais non, je restais collé au virage. Allez, je vais se revenir en arrière. Du coup, il vous reste un choix à faire pour le moment. D'accord. Donc à nouveau, deux joueurs. Deux joueurs, ok. Donc là c'est à Aniki, si j'ai pas de bêtises, de choisir. Donc un chiffre entre 1 et 10 s'il te plaît. 7. Je calcule. ok, descends s'il te plaît. Encore. Tu vois, c'est Mitsubishi. Et un entre 1 et 10 toujours. 7. Bah, à droite. L'éclipse. Oh là là. Oh là 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 là. Ça a pas beaucoup de coloris. Noir ou rouge. Je choisis quoi, BG? En noir, ouais. Vous pouvez la mettre en drift, les deux. Allez. Entre 1 et 5, s'il te plaît. 3. Droite encore, non, va l'est. On va pouvoir découvrir un nouveau circuit. Ouf, Mitsubishi Eclipse de Fast and Furious 1. Ouais, c'est ça. Attends, c'est une traction ou une propulsion déjà? Bon, c'est 4 roues motrices, si je peux dire. 4 roues motrices. Ah, je sais pas. Maintenant, je sais que la Galant dans le jeu, c'est la VR4 et la 4 roues motrices, la GTO aussi. L'Eclipse, peut-être d'autres questions en fait. Alors, c'est une voiture qui est très permissive, vous allez voir. Alors, c'est tout droit, je précise. Parce que c'est pas la version longue. Ah, c'est la version courte. Ouais. Ouh, le tout droit de RGX qui a tapé le mur. Donc là à droite évidemment, parce qu'on a une version courte. Des portes, hein. Mais vous pouvez, hein, y a pas de règles dans le jeu. Ah bah ouais, mais... Vous pouvez soit la jouer totalement faire tous les deux, soit faire avec Cross, y'a aucun problème. Eh oui, putain, je savais. Bon, ce qui est intéressant, c'est que ça reste serré à chaque fois quand même. Alors je vous rappelle que si vous voulez jouer aussi, participer, il faut vous rendre sur le Discord et évidemment quand les événements sont proposés ou en MP si vous souhaitez proposer des jeux et on pourra organiser ça ensemble. Ou sinon téléphoner le 3615. J'ai failli la faire. j'ai hésité. Oh, à l'intérieur pour... Ah ouais, mais on s'est encore bloqué dans le malheureusement. Aïe aïe aïe. Voilà. Bon allez, vas-y, je suis beau joueur, vas-y. Non. Il reste des manches, ne vous inquiétez pas. Il reste des manches. De toute façon, il n'y a rien à gagner. Hein, c'est pas... Du coup, victoire, ça fait combien? 3 3 en 2 3 Non, 2. On a fait 3 courses et il a gagné 2.
trois fois, elle a gagné. Non, et deux, trois fois, j'ai gagné. Deux fois, j'ai gagné. Deux fois. Donc, t'as gagné deux fois ? Ouais. T'en as gagné une fois, Nikki. Ok, ok. 2-1, oui, mais là, tu viens de regagner. Voilà. Et là, je viens de regagner, ça fait 3. Ah, ça fait 3. Ça fait 4 pour Santo. D'accord. Donc, ouais. donc, c'est 3-1. Okay. Hein. Voilà, donc 3-1 pour RGX, pardon. Je vous laisse passer à la suite, du coup. Ok. Sauf que cette fois-ci, je vais décider pour vous. Donc, vous allez revenir au menu. On va faire ici tout voilà, parfait. Allez, deux joueurs. Vous avez tout en bas, s'il vous plaît. Je vous relais. Vous allez prendre la Corvette. Laquelle, celle-là ou l'autre? Celle-là, pardon. L'ancienne. La 487, voilà. Je sais plus le nom. Okay. Voilà. Vous allez. Je vais être sympa, vous allez garder en mode standard, pas en mode drift. Alors, toi, je sais qu'il y a un peu du choix sur celle-là. Ouais. Standard. D'ailleurs, celle-là n'est pas disponible dans le mode simulation. Au cas où, je suis un petit peu. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément. Et vous allez prendre évidemment le Speedring. D'accord. Classique. Classique. Voilà. Classique, ouais. C'est une voiture qui est très compliquée à manier, donc autant pour un circuit assez simple. Grosse vitesse de pointe, mais ouais, très compliqué à manier. C'est ça. Elle a du couple aussi. Ça peut partir très très vite à la faute avec cette voiture. Et pour l'instant ça suit bien. Aniki en tête pour le moment. Deux tours toujours. Ah, l'intérieur, oh, attention! Trop gourmand! Mais ça pardonne pas à l'intérieur, je sais pas. Oh là là! On sait qu'on est en miles, on aurait pu se mettre en kilomètres par heure. Mais je pense que 140 ça doit faire du bon 240 en vitesse max. Ouais. Le glissade sur le mur. Je sais pas qui c'est qui n'a pas fait ça quand il était gamin, qu'il a joué au jeu, la glissade sur le mur dans le dernier virage. Quoi. Ah ouais. Bah. Bah d'ailleurs, récemment, il y a le pilote de NASCAR, là, j'oublie son nom, qui a reproduit exactement la même chose et qui a gagné. Il a gagné des places, il a pas gagné, mais il a gagné, je crois, il a fini 6ème ou 7ème, du coup, ça permet d'être encore qualifié pour la suite. Je sais plus comment il s'appelle, ouais, ce pilote. Je vais se faire exit à nouveau. Alors là, cette fois-ci, c'est assez simple. C'est BG qui va choisir ce qu'il veut faire exactement, et ensuite, ça sera Nick. Ok. Bon, alors en deux joueurs, on va prendre. On pourra ordonner les véhicules, hein, si vous ne vous en souvenez plus, il n'y a pas de souci, vous ordonnez. On va prendre tous les deux la NSX. Et pour choisir drift ou normal, comme vous voulez. On va prendre en normal. Et après, pour le circuit, ce que je propose à Niki, c'est de refaire Clubman. Vas-y, let's go. Alors, au niveau Discord, on est à 4-1 pour le moment, si je dis pas de bêtises. On verra la fin du premier set.
Dommage. Ah, j'ai plus joué à ce jeu depuis plus de 20 ans. Je me refais la main. Ouais, cool. Il faut quand même le préciser parce que ça fait quand même très très longtemps. Ah, les deux qui se bloquent à l'intérieur. Heureusement, c'est le seul jeu qui utilisait un peu l'industriel en bande sonore. Il n'y a que la version européenne et US qui l'avait, la version japonaise avait une version un peu jazzy. Et ils l'ont plus jamais refait dans les Grand Turismo après. C'était pas les mêmes bandes de son? Ah oui, pas du tout. Après, c'est devenu des sons soit connus, soit dans un thème jazz. Non, mais je veux dire, sur Grand Turismo 1 en fonction des régions du monde, oui. C'est pas la même bande de son? Alors en fait, seule la version japonaise avait une bande son différente de l'international. Oh, ça se touche, les deux dans le mur! Il reste qu'un dernier virage pour passer. Ah, allez, ça a touché pour les toi. Deux, ça a touché pour les deux. Non, viens là. Je te laisse avec toi, c'est bon, t'es loin là. Et victoire de Niki pour le 4-2. Joli. Bien joué. Ah, c'était joli le dépassement que tu as fait tout à l'heure. Ah, j'avais les yeux dessus, donc je sais même pas comment j'ai pu faire. Donc j'avais les yeux sur ma caméra. Alors du coup, ça va être à Niki de choisir son format de jeu. Ok. Là, je choisis la voiture et le circuit, c'est ça? Oui, exactement. Ok. Je reviens là, vas-y. Ah, attends, je sais pas du tout. Si on reprend la X7. Ok. Standard. Standard, ok. Non, bah, est-ce que ça te gêne de repartir sur le même circuit que tout à l'heure? Allez, pourquoi pas. Vraiment. Allez. Circuit que j'aimais pas à l'époque, je sais pas pourquoi je l'aimais pas. Mais j'aime beaucoup, maintenant. Comme quoi. Ouais, circuit qui ressemble beaucoup aux autoroutes japonaises. Ouais, c'est ça. Alors c'est surtout le premier, enfin le deuxième virage à l'intérieur du pont qui est très compliqué. Alors comme on disait en off dans les tests, potentiellement que si on revient sur le jeu, il y aura une sauvegarde chargée avec tous les circuits débloqués et potentiellement les voitures en mode garage. Eh, encore une fois, l'équipe qui prend l'intérieur. Et du coup, parce que là on a que 4 circuits, c'est un petit peu dommage, mais on aurait pu avoir les autres. C'est que des circuits fantaisistes. Oui, il n'y a pas de circuits fantaisistes. Il n'y avait pas de licence. Non, pas de licence. Je crois que c'est à partir de GT2 qu'il y a eu une licence des circuits. Alors, je suis en train de réfléchir, mais je crois qu'il n'y a aucun circuit qui est vraiment existant. Il y a Rome qui utilise des artères, effectivement. Non, en compte, je veux dire, genre des vrais circuits professionnels, quoi. Je crois qu'il faudra attendre Grand Turismo 4, non? Pour avoir le premier circuit. Alors, bonne question. Je sais que dans Grand Turismo 2, la bêta, il y a le circuit Monaco qui est présent. Et dans le 3, bon, il est présent. Ouais, dans le 3, il est présent. Je suis sûr d'en oublier un ou deux, mais il y a au moins un circuit. Il y a Laguna Seca dans le 3. Dans le 2 aussi. Et dans le 2 aussi, voilà. Donc dans le 2, ouais, il y a le 2, il y en a. Eh, dommage, encore une fois. Ça n'a pas marché.
Et pour la dernière, alors qu'il y a du coup 5 à 2 maintenant pour RGX. De toute façon, ça a été un peu plus compliqué là, pour Aniki sur celle-là. Ouais, très. Pas simple, pas simple. Donc, vous allez sortir du mode arcade. Ça sera la dernière parce qu'on a à peu près une demi-heure. Ok. Puisqu'on va aller dans le menu des options du mode arcade. Donc, tu vas faire triangle à nouveau. Alors, on aurait aussi pu faire la version bêta du jeu au passage, mais options s'il te plaît. Voilà, donc le configuration 1, on va changer le nombre de tours. On va se mettre en 5 tours. Les damages au niveau des pneus, tu veux les activer? Ah non, l'handicap en fast, voilà, en fast. Okay. Le handicap, il va rester en low. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à régler. Descend, je crois qu'il n'y a rien d'autre. Non, il n'y a rien d'autre. Remonte, et va à la configuration 2. Ouais, c'est les vues. Donc on va revenir en arrière. Donc il y aura 5 tours. Il faut pouvoir revenir dans le menu arcade. Donc le mode arcade. Toujours le mode de joueur. Voilà. Vous allez descendre encore un peu. Vous allez aller chez. Je réfléchis parce que j'ai pas forcément choisi le mode exact. On va remonter. On va aller chez Nissan, s'il vous plaît. Pas la Primera. Tourne en nouveau, s'il te plaît. Vous allez prendre la Fur Lady, voilà, en mode drift. Ah oui, d'accord, je vois où tu vas en venir, toi. Exactement. Voilà. Vous allez changer de circuit, vous allez mettre. Tourner, pardon. Le troisième, c'est le Patriot. Voilà, le Honda, s'il vous plaît. Et ça sera la dernière. Bon courage à vous deux. Le premier virage, ça va être une catastrophe. Ah ouais, je sens que... Aïe, aïe, aïe. Donc, pneu froid pour tous les deux au départ. Je ne connais absolument pas l'usure. On verra ce que ça donne. Ah, ça donne. Et vous allez le voir aussi. Ça donne rigolo. Ça part en attaque directement pour Aniki qui en profite, hein, qui fait chauffer ses gommes. C'est peut-être une stratégie d'ailleurs. Oui, bah oui. Là, il y a plusieurs écoles. Hein. Oh, attention, Aniki qui en prend encore en tête à queue. Alors, rien n'est perdu hein, pour le moment, même s'il y a eu des têtes à queue. En tout cas, pour l'instant, RGX n'a pas fait d'erreur. C'est là qu'on voit que le jeu gère bien quand même l'usure, parce que le train arrière est beaucoup plus usé déjà chez Aniki. Et moins chaud. Tout l'inverse en fait, je voulais dire. Donc là on est en optimal hein, pour le grip. Qui aime bien prendre des risques sur l'intérieur à chaque fois. C'est la gourmandise, ça. Allez, le deuxième tour est fini. 5 secondes d'écart entre les deux. 2 secondes de repris pour le long par Aniki.
Et ça part un petit peu dans le gravier. Pour le P1. Ah, la relance est difficile aussi hein, pour Aniki en P2. Pour l'instant, au niveau de l'usure, ça se passe bien, en tout cas pour les deux. Reviens là. Qu'il y a un léger boost pour le joueur derrière, c'est pour ça que ça remonte progressivement. En ce moment, les deux joueurs sont au même niveau. On rentre dans le quatrième. Pour l'instant, les gommes ça va toujours. Toujours extérieur versus intérieur, hein. Deux écoles. Il loue dans le rétro pour le pour RJ RGX, je vais y arriver. RGX. Et je pense qu'au niveau 2 ça va tenir le secteur. Ça devrait aller. Ouais, il y a le travant qui est pas entamé. À 7 tours ça aurait été peut-être un peu plus compliqué. Hop, 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 hop. Non, 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 non. L'extérieur. Ouais, ça part à la fin, c'est terminé. Oh, les deux pneus là qui ont pris cher, hein, les pneus avant gauche. Ouais, les pneus avant gauche. Ouais. Et RGX qui va s'imposer et remporter du coup le match. Bien joué, bien joué. Ouais, le pneu était mort. Finalement, 5 tours, c'était la limite. Ça aurait été intéressant de faire 7 tours parce que je pense qu'on aurait. Il y en aurait peut-être un qui aurait tenté de s'arrêter, l'autre non. Ah ouais, avec un arrêt au stand, ça aurait été plus... Ouais, ce serait plus... Est-ce que vous voulez en faire une dans une dernière, ou est-ce qu'on s'arrête là? Oh, moi ça me dérange pas. Alors on va en faire une dernière, mais en 7 tours. Allez. On va falloir revenir dans les options, ça sera le petit bonus. Ah, le petit bonus pour la fin, quoi. Donc je vais se revenir dans les options à nouveau, prendre cette tour. Voilà, cette tour. Il faut revenir en arrière. On peut faire 10 tours. Comme vous voulez, mais je pense que cette tour, ça peut être sympa dans le sens où il peut y avoir deux écoles. D'accord. Allez, cette tour. 10 tours, ça va obliger de toute façon à arrêter quoi qu'il arrive. Donc, Ouais. Après, vous pouvez faire un pari le même entre vous deux aussi. Hein. Il n'y a pas vraiment de pari gagnant. Donc, allez-y, deux joueurs. Deux joueurs, ouais. Vous allez aller chez Nissan encore. Vous allez prendre la Skyline. Par contre, vous allez la prendre en drift. Attends, on joue le jeu jusqu'au bout. On va sortir la speed ring, non. Vous allez prendre Time and Tail. Oh. J'ai envie de dire bonne chance à vous deux. Ok. On va en avoir besoin de la chance. Bah c'est sûr là. Alors
Alors, je laisse aussi. Oula, alors que la console elle-même. Je vous laisse zioter aussi l'entrée des stands, hein, qui est un peu particulière, au cas où vous voulez rentrer au stand, bien sûr. Ça marche. Vous aurez quelques tours pour la deviner où elle se trouve. Allez, le diable en écart. Ah non! Le mur, attention. Et oui, dans Gran Turismo, les premiers Gran Turismo, les voitures sont très réactives, donc pour un intérieur, souvent, c'est risqué de se prendre le mur. C'est un mur collant là. Ouais, pour l'instant, RGX qui a l'avantage 4 secondes pour le moment dans ce premier tour. Presque fin de premier tour. Oh là là, ça part à la faute pour le joueur 2. Donc on va en profiter pour, d'être sur la vue en bas pour voilà, l'entrée des stands aller à gauche ici. Alors qui dit voiture plus puissante, normalement une voiture qui va encore plus consommer les gommes. Ah, c'est horrible. Ah, elle est compliquée à piloter ça là. Ouais. C'est fait, mais... Quatre secondes d'écart pour le moment. Ah, il peut vite revenir. Hein. Ça va dépendre de la suite. Le dur des pneus, le choix que vous allez faire ou pas. Ouais, je pense à ce rythme, BG peut aller jusqu'au bout. Un BGG. Ouais, peut-être. Tentative de... de forcer une stratégie, peut-être. Ouais, je peux faire un hôpital, hein, c'est possible. Hein. Je n'espère rien. Une très belle prise de chicane là, pour BJJ. Ah, on essaye, on essaye. Ça a presque fait bien se passer aussi pour Aniki. L'écart qui a fondu en seconde. Et on peut rentrer à l'intérieur. Et oui, malheureusement, il faut plutôt prendre les extérieurs, j'ai l'impression. Et déjà, qui est plus prononcé du coup pour le joueur 2. C'est beaucoup plus propre sur les gommes. Pour RGX. Ah oui, là c'est une catastrophe, hein. C'est déjà en orange. Oh. On essaie de mettre un peu de style, on prend un peu de drift dans tous les virages. Ah là, ça va être compliqué là. Alors, arrêt ou pas arrêt pour le joueur 2. Allez, ça pite pour le joueur 2. Oula. L'IA qui a eu du mal à positionner la Nissan. Allez, c'est reparti. 24 secondes d'écart entre les deux. Et BJJ pour le stand qui a les gommes un peu usées. Ah si, ça commence à partir en lambeau pour le pneu avant droite.
RPG, il est très propre. Effectivement, ouais. Ça se voit surtout sur les coms, il y a un tour d'écart en plus et on est pratiquement au même niveau que toi au temps précédent. Quand même il y a de temps parce qu'avec les gommes propres ça va un peu plus vite. Il reste 3 tours, un peu moins de 3 tours maintenant. Et il n'y a plus de gommes chez BJJ, là c'est rouge. C'est rouge, je rouge vif. Non. On va la faire façon BTCC. Votre ressenti BJJ sur la voiture? Ça va pour l'instant. Ça va? Ah ouais. Ça glisse un peu, mais ça va. Ok. Bah écoute. C'est assez gérable, je trouve. L'indication pour une future revanche peut-être sur un autre jeu. C'est possible. Bon, l'écart va se réduire quand même. Pour le moment, 16 secondes. 14 maintenant. Il va rester 2 tours. Ça m'énuise entre les deux. Bien que l'avantage pneu va commencer à se réduire, hein, puisque Niki va avoir les gommes plus usées au fur et à mesure. Et concentration maximale des deux pilotes. Ils sont dans la ligne droite maintenant. Alors, quel choix? S'arrêter, pas s'arrêter, continuer avec des gommes mortes ou continuer avec des gommes... Il va rester un tour. Personne s'arrête. On prend bien les chicanes pour les deux. Oula, ça glisse pour les deux. On tire tout droit pour RGX. Il reste un flanc de pneu pour le P2. À l'intérieur, ça sort! Oh là là! Il y a l'accélération! DBGG qui reprend son dû. Ah, plus de pneus pour les deux maintenant, ça va se jouer au skill. Dans les hectomètres de cette course. Oui. Moins d'une seconde, il va peut-être utiliser le DRS dans la ligne droite. Non. Il n'y a pas de DRS. Oh là. Ah, ça tire droit. Il reste plus qu'une chicane. Attention. Bien joué. Ça passe bien pour les deux. Oh, la terreur qui est passée aussi pour Aniki sur la ligne. BJJ qui va s'imposer pour 5 dixièmes. Bravo tous les deux, hein. C'était une course sympa, sûr. Bravo BJJ. Ah, merci. De strat, je vous laisse appuyer sur le changement de caméra tous les deux pour mettre la vue générale, si possible. Ok.
comme ça. Faut se mettre sur la même vue, je crois, et ça fait passer en vue sur un seul joueur. Je dis pas de bêtises. Voilà. Ah. Et si vous appuyez sur haut ou bas, vous pouvez switcher de pilote, normalement. D'accord. Voilà. Bah écoutez, on va s'arrêter là-dessus du coup. Ça fait 50 minutes pour cette première. Vos impressions par rapport au. Oh, franchement, c'était génial. Franchement, j'ai bien aimé. Là, ça s'appelle beaucoup de tension. Et ouais. Surtout, ça rappelle quelques bons souvenirs de ce jeu auquel j'ai passé beaucoup de temps. Et par rapport à votre niveau en jeu, qu'est-ce que vous en avez pensé chacun? Ah, bah BGG, il gère très très bien, il est très très calme, il est moins nerveux par rapport à moi. Ok, BGG, toute appréciation. Ouais, merci à Niki. De ton côté, bon, c'est vrai que tu joues bien aussi, hein, mais c'est vrai qu'on a un niveau différent, quoi, parce que moi je suis très rodé là-dessus. Donc, mais en tout cas, c'était un plaisir d'avoir joué avec toi. J'ai pas joué depuis. Comme j'ai dit, ouais, depuis peut-être 99-2000, quand Gran Turismo 2 est sorti et que j'ai eu le jeu, donc depuis j'ai plus trop joué. Même si Gran Turismo 2, Gran Turismo 1, il n'y a pas un grand écart. Ouais. Ça fait très très longtemps, mais en tout cas c'était bon souvenir. Merci Kim, merci BG, c'était super. Est-ce que Niki, tu veux jouer aux autres Gran Turismo après? J'ai joué à Gran Turismo 1, le 2, le 4, le 4 Prologue, le 5 Prologue, le 5, le 6. Et le sport. Ok. Mais mes préférés, ça reste les versions PS3. Je sais que c'est pas très apprécié par la communauté. Gran Turismo 5 et 6. Mais pour moi, c'est mes préférés. Est-ce qu'il y a un mode de joueur dans Gran Turismo 5 et 6? C'est pas vraiment le mode. Enfin, si, y a... Ce qui est bien dans Gran Turismo 5 et 6, c'est les collabs qu'ils ont fait Polyphony Digital avec certaines marques comme Red Bull, comme NASCAR, comme Top Gear et tout, qui étaient super sympas et qui étaient des bonnes additions au jeu. Et surtout le nombre de contenus, quoi, entre les circuits et le nombre de voitures qui flirtent ou même qui dépassent avec le chiffre 1000. Oui. C'est, voilà, il y a beaucoup, beaucoup à faire, beaucoup à s'amuser. Et j'ai passé de nombreuses soirées avec mes amis à jouer à l'époque sur PS3. Et du coup, la question, est-ce que c'est possible de faire un mode splitté dans le 5 ou le 6? Est-ce que ce jeu, mode de jeu existe? Je n'ai aucune idée parce que je joue beaucoup en ligne et sinon c'est du solo, donc je pourrais pas te confirmer. Ok, bah écoutez, on vérifiera ça potentiellement sur une vidéo sur le 5 ou le 6. S'il y a un mode splitté, on verra bien. Le mot de la fin pour vous deux? Je n'ai pas grand chose à dire. J'en serais douté, bon, je vais vous épargner ça. En tout cas, merci à tous, c'était une bonne première. En tout cas, moi, je me suis bien amusé à vous suivre dans les courses. Bah, également, c'était sympa. Également. Et évidemment, il y aura une suite un peu plus tard pour ceux qui vont regarder la vidéo en différé. Merci tous les deux, à une prochaine. Ciao tout le monde. Ciao, ciao. Ciao.